L'inspiration vient souvent de peu dans le monde du cinéma. On imagine souvent que des auteurs ont besoin de temps, ont besoin de réflexion pour concevoir et développer une histoire. Mais on oublie qu'à la base, il y a une idée, une certaine logique de conception et d'acheminement d'un personnage dans un certain contexte, offrant ainsi un cadre bien défini pour qu'ensuite, lorsqu'il faudra construire et correctement développer l'histoire, la base soit tout de même claire. Ainsi vient une idée. Ainsi vient souvent ce qui fait la forme et la force d'un film, ce qui fait dans la tête d'un spectateur un objet de cinéma, un objet audio et visuel, devient un peu plus intéressant que les autres, offrant ainsi un instant atypique, surprenant, étonnant et marquant par là même. Et c'est cela que l'on recherche peut-être un peu trop aujourd'hui, en basant avant tout des films sur des idées et pas assez sur des histoires. Mais pendant longtemps, ces fameuses idées n'étaient que le début d'une immense et fantastique aventure de cinéma qui pouvait potentiellement devenir très influente. Et dans le genre, le film ici présent a profondément marqué son époque. L'idée du film ici présent était clairement avant-gardiste, car clairement loin de convenir au canon de l'époque, le long-métrage s'inscrivant comme anti-système et anti-codeys, le code de censure régissant le tout Hollywood jusqu'à la fin des années 50, voire même la moitié des années 60. L'œuvre du cinéaste Howard Hawks, l'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, est un film ambitieux et irrévérencieux. Mais indéniablement, avec le temps et surtout une réelle fascination autour de son héros principal, cette œuvre est devenue un objet de culte, reconnu unanimement comme l'un des plus grands morceaux de l'histoire du cinéma et l'un de ces films qui a changé les mentalités, qui a montré les limites d'un système de censure ne prônant pas la liberté des artistes, mais une forme de manichéisme terne et triomphaliste, fermé et consensuel, le tout dans un objet de cinéma magnifique qui n'a quasiment pas pris une ride et qui encore de nos jours s'impose comme un brillant exercice de style et de narration. Plongeons dans le grand banditisme, le trafic d'alcool et la vie complètement folle de Tony Camante, surnommé Scarface. Inspiré de la vie d'Al Capone, cette histoire était complètement révolutionnaire en son temps. Si l'on avait pu voir des personnages d'anti-héros mis en forme par le passé dans le monde du cinéma, jamais des auteurs ont autant travaillé d'arrache-pied pour en faire un personnage empathique et terriblement attachant qui passionne tout autant qu'il l'emporte pour son aventure rocambolesque, géniale, jouissive, faite de violence, de meurtre, de coucherie et surtout de passion contre la loi. Ben Hecht, Seton Miller, John Lee Mahin, W.R. Barnett ont su tirer de l'œuvre d'Armitage Trail, inspirée elle-même de la vie de Capone, une essence dramatique et cinématographique qui allait passionner par la simplicité évidente de sa composition en ascension puis en chute vertigineuse d'un personnage, cherchant à se faire une place dans un monde dur et impitoyable, mais qui l'est tout autant, et franchement, au vu du contexte de l'époque, de la censure, de la difficulté des mœurs et de l'ambiguïté de son protagoniste, ce scénario est un modèle de composition qui encore aujourd'hui passionne par son modernisme et sa créativité. C'est fantastique, prenant, haletant et complètement jouissif. Il est indéniable que cette mise en scène, qui a tout de même aujourd'hui 91 ans, était terriblement moderne. Hawks a toujours su magnifier ses personnages. Que l'on regarde son travail au début des années 30 ou à la fin des années 60, il sait donner à ses héros une posture, un caractère, une forme particulière pour nous emporter dans ses récits et donner de l'ampleur à leur parcours. Et ici, il le démontre de manière brillante par le prisme d'une caméra très moderne, en avance sur son temps même, qui selon moi peut être rapprochée du travail 10 ans plus tard d'Orson Welles. Mais si Orson Welles a su révolutionner le cinéma avec son Citizen Kane, Hawks pose les bases de bien des éléments de ce qui feront la puissance de cette période si particulière du cinéma où l'on a eu la sensation que les auteurs étaient aussi créatifs que les possibilités que le 7e art leur offrait, ou voulait leur offrir. On sent cela dans les mouvements de caméra, dans le côté amusé de l'auteur, par les péripéties de son héros, par le déferlement de violence jubilatoire que l'auteur met en relief, dans un moment de cinéma où la folie de son protagoniste devient également la folie d'un cinéaste qui souhaite marquer les esprits. Une mise en scène brillante, inventive et clairement en avance sur son temps. À l'époque, le film a fait beaucoup parler. Vraiment beaucoup parler. Imaginez en 1930, date à laquelle le film se termine. Il était impossible de glorifier la figure d'un gangster, manipulateur, coureur de jupons, adorateur d'argent et d'alcool, qui plus est dans la première version, amoureux fou de sa sœur, au point de la garder uniquement pour lui.
au gré de nombreux déboires et incidents avec les dirigeants du Codeys, le film est d'abord sorti dans une version charcutée et maltraitée, où l'idée de l'inceste était totalement éludée et où surtout la fin du long métrage n'avait plus le même sens. Tony finissait pendu et jugé par la police, là où Hawks, et heureusement c'est cette version que nous avons, le souhaitait mort fusillé par celle-ci, alors même qu'il cherchait à s'échapper. Il est également bon de savoir que l'acteur principal, Paul Muni, dont on va parler, a refusé de tourner cette fameuse scène de pendaison, justifiant le fait que l'on ne voit jamais le personnage de face durant celle-ci, celui-ci ne comprenant pas le sens de ce changement quant au parcours du protagoniste. Un combat qui ouvrira la porte de ce que demandera le nouvel Hollywood dans les années 60. Et qui se ressent dans ce carton d'introduction extrêmement surréaliste. La figure de Scarface est un de ces visages qui marquent. Un acteur avant tout. Un acteur immense, une figure emblématique du cinéma qui a su imposer son visage comme la représentation parfaite du gangster empathique, de l'homme que l'on devrait détester par ses actions, mais que l'on aime par son charme, par son charisme, par sa posture à l'écran. Et cela, Paul Muni a su totalement le rendre et lui donner grâce le temps d'une performance absolument folle. Bien sûr, il est magnifiquement aidé par un casting qui l'aide à la perfection, mais il est totalement Tony. Il est magnifiquement Camante. Il donne tout ce qu'il a, flirtant constamment avec une caricature qui pourrait laisser de marbre, mais qui au contraire, du début à la fin, fascine, passionne, amuse, touche, emporte, marque profondément le spectateur. Le tout dans un écrin de velours qui lui est entièrement dédié. Le temps d'une prestation légendaire, absolument parfaite, qui donne à cet anti-héros un modernisme terriblement en avance sur son temps. Le genre d'avant-garde créative et artistique qui laisse totalement fasciné tant on sent que l'acteur savait qu'il aurait un impact fort sur la pop culture et qu'il allait livrer quelque chose d'unique pour nous spectateurs. Brillant est un mot très faible pour qualifier cette prestation. On connaît tous le nom de Scarface grâce à Brian De Palma et son long métrage culte de 1982. Mais on connaît de moins en moins l'origine du personnage et la fascination qu'avait Hawks pour Al Capone en 1932, dans un film qui a tout de même marqué son temps et a su s'imposer au fil des époques comme un long métrage très en avance sur son époque, notamment dans son traitement des mœurs. Découvert récemment, je n'ai pu être que fasciné par la maîtrise visuelle et la narration moderne de cette œuvre absolument magnifique du début à la fin, et qui me rappelle encore une fois, après avoir découvert des Rio Bravo ou autres grands sommeils, que Hawks est un brillant et immense metteur en scène, et surtout un de ces visionnaires comme Orson Welles, mais que l'on a malheureusement un peu plus oublié, restant pourtant un grand auteur, qui le prouve ici brillamment avec un morceau de 7e art en or massif, une œuvre envoûtante et captivante du début à la fin, bref, un de ces nombreux chefs-d'œuvre qui nous passionnent et nous emportent de tout son long par sa maîtrise évidente et confondante. C'est mémorable et grandiose, et alors que le film a quasiment 100 ans, il n'a pas pris une ride.